toi, messieurs, avec plaisir. Il n'y a pas de problème. Merci. Bien. Voilà, détends-toi, c'est bien. Mais oui, tu t'en es bien sorti. Ok. Super. Bon, t'es juste, la gestuelle, toi, t'es tranquille, t'es calme, la voix est posée, donc ça roule. Okay. Monsieur, bravo, merci pour vous, vous l'avez bien aidé, le jeu était parfait. Okay. Victor ? Non mais sérieusement les gars, on se tape 5 ans d'études de médecine pour qu'un prof de théâtre il nous apprenne à parler quoi. Bah écoute, la semaine prochaine on apprendra à marcher. Ouais bah le jour où vous serez face à un vrai patient, vous serez bien dans la merde. Bon, on continue comme ça, c'est très bien. Super, merci monsieur. Bien ça va, on déconne. C'est vrai, beau jeu d'acteur. On monte à Molière bientôt, alors vous choisirez lequel médecin vous voulez être ou quel malade. Je vous embauche. Allez, belle prestation, Victor. Merci, monsieur. Clara, tu te prépares, c'est toi la prochaine. Les résultats sont très mauvais. Je vous laisse retirer votre chemise, on va passer à l'écho hépatique. Clara, prends le temps d'expliquer un peu les choses. Interroge le patient. Parle avec lui avant d'aller directement sur la machine. Allez, inspire-toi de ce qu'on a vu en cours. Et puis alors, toujours pas de bonjour, pas de s'il vous plaît. Allez. C'est froid. Votre famille va bien? Votre fils fait toujours médecine? Oui, toujours. Mais c'est un peu compliqué avec sa copine en ce moment. Elle est horrible. Ah bah ça, les belles filles, hein. Les gars, qu'est-ce qu'on fait? Faut informer le comédien, là. J'irai lui parler après. Ne vous inquiétez pas. Ça va? Bah ouais, ça va, ouais. S'emballer un cachet de 8 heures pour 40 minutes de boulot, c'était vraiment un bon plan. T'as vu, je t'avais dit. Faut que je te parle d'un truc par rapport et à tout ça. J'ai eu le rôle. T'as eu le rôle ou t'as été appelé pour une deuxième audition? Non, je vais faire ce capin. On commence les répètes la semaine prochaine. Depuis le temps que je rêvais de le jouer. Tu devais pas changer de sonnerie, toi? Bah non, ça c'est toute ma jeunesse. Papa. Chut. Non mais s'il te plaît. Ouais. Non, c'est encore ta mère. Je la rappellerai plus tard. Qu'est-ce que tu me disais? Donc, quand Clara a passé l'écho tout à l'heure, on a vu une petite masse au niveau de la tête du pancréas. Donc il faudrait juste que tu ailles voir ton médecin traitant. Non, t'es en train de me dire que vous avez vu un truc tout à l'heure? Mais c'est rien de grave. Non, c'est rien de grave. C'est sûrement un kyste ou une connerie bénigne, mais il faut vérifier par contre. Ok, je te fais confiance, c'est... C'est toi le professionnel. Oui. Merci. On se voit ce soir à la maison? Oui. Allez. Oui. Bise ma bouille. À ce soir. Bisous. Encore maman? Non, c'est pas ta mère, c'est Molière. Ouais, c'est... Ouais, Isa. Et t'as vu avec ta mère pour demain ou pas? Non, j'ai pas pu, elle a enchaîné les accouchements. Et moi, je lui achète quoi du coup? Je sais pas, des roses, non? Ouais. Ouais, allô? Bonjour, c'est le docteur Joubert. Je cherche à joindre monsieur Lesage. Bonjour docteur, c'est Baptiste. Bon, malheureusement, mon père n'est pas là aujourd'hui. Ah,
Écoute, j'ai besoin de lui parler là assez urgemment, mais j'ai pas son numéro sur sa fiche patient. Est-ce que tu pourrais me le donner, s'il te plaît? Bah, là, il est en tournée en Belgique, donc il est injoignable, mais je peux lui transmettre les messages, si vous voulez. Alors, dis-lui que j'ai reçu ses résultats d'examen et j'ai vraiment besoin de le voir assez vite. Oui, monsieur. Bah, écoutez, oui, je lui dis de vous rappeler quand il rentre. Voilà. Merci, docteur. Au revoir. Le CA19-9 est à 4200. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, maman, joyeux anniversaire. Merci pour les fleurs, Baptiste. Mais il n'y a pas de quoi. Je souffle. Fais un vœu. Je fais un vœu. J'en ai un. Écoute, Baptiste, Clara m'a dit, pour ton père. Est-ce que tu en sais plus depuis ? Baptiste. Demandez à votre fille, elle vous dira. Faut pas tarder à le lui dire, tu sais. Donc là, l'objectif, en fait, c'est de lui dire maintenant et de briser son rêve, c'est ça? À un moment ou à un autre, il va se rendre compte de quelque chose. Et tu sais quoi, Baptiste? Plus tu attends, plus l'annonce sera violente pour lui. Mais c'est pas à toi de le lui dire, c'est à son médecin de le lui annoncer. Quel droit t'as parlé de mon père? Mais tu te rends pas compte de ce que ça me fait, en fait. T'es tellement butée. Puis c'est pas à toi de gérer ça. C'est pas à toi non plus. Tu sais pas comment on parle à un patient, tu sais que dalle. Bah si c'est aussi simple que ça de lui parler, pourquoi tu lui as encore rien dit? Baptiste, c'est très lourd tout ça. C'est très lourd pour toi, c'est très lourd pour Clara. Y a pas de honte à demander de l'aide. Il a jamais été aussi épanoui. Vous cherchez le seigneur Géronte? Oui, Morty, je le cherche! Et pour quelle affaire, monsieur? Pour quelle affaire? Oui. Un chapeau cardis. Le faire mourir sous les coups de bâton. Oh, monsieur! Les coups de bâton? On donne une pointe à des gens comme lui. Et ce n'est pas un homme à être traité de la sorte. Tiens, va et porte-lui cela de ma part.